Ouais, salut mes beards, c'est Parano, on se retrouve aujourd'hui pour ce second épisode sur Watch Dog. Ok, oh là là. Ok. Contrat de fixeur, donc j'ai pas encore commencé ça, j'ai pas trop envie de m'aventurer pour le moment, je vais vraiment me concentrer vers la mission principale et on verra un petit peu comment ça se passe. Donc vu que je n'ai pas encore débloqué le CTOS, comment vous expliquer le CTOS? C'est vraiment tout ce qui dirige le réseau informatique Si le CTOS de cette zone. renforce la sécurité, je dois renforcer mon armement. Voilà, donc c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Je vais vous montrer. Donc le jeu est divisé en, je crois, 6 zones, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, première zone, deuxième zone. Voilà, il y a pas mal de zones différentes. Et dans chacune de ces zones, il va falloir débloquer le CTOS pour avoir accès, un accès total à la ville entière. Que ce soit des feux rouges, les bornes, les téléphones portables des habitants, etc. etc. Et c'est ce qu'on va s'apprêter à faire dans cet épisode. Mais tout d'abord, on va essayer un petit peu de s'équiper en armement. Je suis passé devant ou... C'est quoi les bails? D'accord, non, le magasin, la porte était un petit peu chelou. Donc, petit truc qu'on peut faire aussi. Je vois pas l'autoradio. On peut pirater aussi les autoradios directement via les magasins, les boutiques. Si vous avez une musique que vous kiffez dans un magasin, vous pouvez la prendre directement sur sur votre smartphone. C'est un truc de Belle dingue. journée, pas vrai? Ah oui, carrément, ouais. Belle journée pour prendre des armes. Vous trouvez ce qu'il vous faut? Ben, laisse-moi regarder 2 secondes, gros. Je suis un petit peu pauvre là pour le coup. J'ai 2 900 $. Je vais prendre quelque chose d'assez soft, entre guillemets. Je vais plutôt prendre celle-ci. Donc voilà, munitions au max. Ces dernières semaines, les centres CTOS de Chicago ont renforcé leur sécurité suite à une série d'attaques menées par le groupe DedSec. Interrogée à ce sujet, Charlotte Gardner, porte-parole de Bloom, s'est montrée catégorique. La sécurité des citoyens est primordiale. Chaque centre de contrôle CTOS a donc été doté d'un service de sécurité. Ces gardiens de la paix hautement qualifiés ont servi dans les régions les plus dangereuses de la planète. En fait, Madame Gardner, ces gardiens de la paix sont d'anciens militaires devenus mercenaires. Certains ont un casier. Vous confirmez? En effet, ils ont servi dans l'armée, mais je ne pense pas que nous devons ostraciser des soldats qui ont fièrement défendu leur pays. Le réseau CTOS est parfaitement protégé. Ce qui nous permet d'offrir aux habitants de Chicago le confort qu'ils méritent. C'était Charlotte Gardner, porte-parole de Bloom, sur la sécurité du CTOS. D'accord, ouais. Elle croit que c'est tout protégé et tout. Donc, petite chose qu'on peut faire aussi. Et voilà, le truc de musique est là. Donc voilà, j'ai pris la musique du haut-parleur. Mais, je vais l'arrêter. On peut activer aussi la musique, pas seulement que... Voilà, on peut activer la musique à tout moment. Donc on peut aussi braquer la personne, c'est ce que j'allais dire juste avant de me connecter au son. On peut braquer la personne, mais je vois pas l'intérêt pour le moment. Et on va déprouver, on va prouver à la gentille dame qu'on va s'occuper de son réseau CTOS bien comme il faut. Petit délire qu'on peut faire à tout moment, à chaque fois, un feu de signalisation pour vraiment foutre la pagaille. Mais je vois pas l'intérêt si ça m'intéresse pas, je vois pas pourquoi je foutrais la pagaille. Du moins, ça risque de foutre le bordel. Et vous avez vu que vous avez on a une sorte de jauge où en fait les habitants, on va dire, sont contents de votre travail si vous aidez les gens ou si vraiment en fait vous faites bordel. La destruction de véhicules qui est plutôt moyenne. Je pensais que les véhicules allaient plus se détruire que ça. Croyez-moi, par la suite, quand vous faites tirer dessus et tout ça, vous avez vraiment de gros dégâts et la voiture. On prend vraiment, vraiment, vraiment. Elle prend vraiment cher. Donc on va passer par là. Ok. Thanks, bro. Ah. Donc le CTOS c'est le CTOS c'est connecté. Mais j'ai pas le choix. Je veux savoir qui menace ma famille. À qui appartient la voix de l'appel téléphonique. Vous savez ce qu'on va faire? On va se mettre là. Non, on va pas se mettre là parce que lui il va péter un plomb. Voilà, on va se mettre là. Et gentiment, on va couper le contact. Et on va commencer à regarder un petit peu à droite à gauche. Donc, ça c'est la zone qu'on doit s'occuper. Et alors, il y a plusieurs façons, c'est ce que j'aime vraiment sur le jeu. Et c'est là où je vous dis que plus le jeu avance, et plus l'intensité est genre, on va dire. Moi, là où vraiment je commence à kiffer, c'est à ce moment-là en fait. C'est vraiment quand on commence à découvrir
Comment fonctionne son smartphone, comment on peut l'utiliser. Il y a vraiment pas mal de façons différentes pour l'utiliser. Là, pour le coup, je pourrais ouvrir la barrière, je pourrais faire des diversions avec le personnage. Moi, pour le moment, je vais essayer de prendre cette caméra et voir un petit peu, voilà, chercher des issues. Donc, déclencher l'alarme pour faire une diversion. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Donc, faire exploser, je peux faire exploser des choses sur les gardes qui peuvent les tuer à tout moment. Dirige un club de scout. Condamné à des travaux d'intérêt général. Profession agent de sécurité des Blumes. Ok. Revenu 86 000 dollars. Ah, pas mal. Pas mal, monsieur. Pas mal. Donc, faire exploser. On peut faire exploser directement son téléphone sur lui. Donc, c'est pas mal du tout, ça aussi. Je le ferai par la suite soupçonner de pyromanie. Pas mal du tout. Ça doit être mon petit frère. Mon petit frère adorait jouer avec le feu quand j'étais petit. Petit pyromane. Nous, on va continuer. Notre cible se trouve à 37 mètres. Et on va aller direct. Donc, cherchons une cible, cherchons des caméras. Ok, faire diversion. Hop. Faire exploser. Donc, pour le moment, on cherche le garde disposant d'un code d'accès. Cette personne qui nous fera déverrouiller le centre, en fait, pour pirater le centre CityOS. Et là, pour le moment, je vois que. Oh, jeune marié. Consommateur de stéroïdes. Ex m'a montré un truc tout à l'heure. Il a filmé un truc de malade. Ah, on l'a trouvé. Accès à la salle des serveurs. Voilà. Monsieur qui me donne le code pour accéder à la salle des serveurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai pour habitude d'utiliser cette personne qui est là-bas au fond. Je vais vous montrer comment je fais. En fait, sans bouger de mon véhicule, ou du moins à côté de mon véhicule, il y a moyen. Voilà, donc c'est parti. Donc j'ai fait une petite diversion, on est d'accord? On dirait qu'on a de la compagnie. Sans cette personne, en fait, je peux pas accéder, moi, au centre qui se trouve juste derrière. Et il faut que j'arrive. Ah, j'ai failli cliquer, j'ai pas réussi. Donc des fois, des personnes portent sur eux des caméras. Donc là, vous m'étonnez, ils sont taqués là. Certaines personnes portent des caméras. Ah! Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, il est chelou, il fait des actions. Tranquille, moi. Donc là, j'ai foutu vraiment la pagaille. Les mecs, ils sont pas bien du tout. Faudrait que j'active. Voilà, tire le verre là-bas. C'est bien ça. Oh, regardez-les tous, ils sont au taquet. J'ai envie de faire exploser, mais si je fais exploser, mon plan fonctionnera pas. Et ça va me faire chier. Donc là, pour le coup, ils se sont mis en mode genre pas content. Il faut pas que je fasse exploser. Ils se gênent tous entre eux. Mort de rire. Donc l'intelligence artificielle est très énervée. Je peux vous dire que en combat, elle fait vraiment vraiment très très mal. Oh. Merde, merde. J'ai failli. Je vais le faire, je vais le faire. Vous inquiétez pas. Donc sans bouger de mon véhicule, je vais essayer de pirater. Déjà, je pirate ça. Il est là, il est juste à 24 mètres. Faut que j'arrive à l'avoir, putain. Il me donne mal à le cœur. Yes! Non! Non! Tiens, j'ai pas réussi. Pouvez-vous pousser, s'il vous plaît, messieurs, dames? Donc, j'ai pas envie de les attaquer. Franchement, voilà, c'est un truc que je me sens pas de faire. Allez! On y est! Yes! Yes! J'ai réussi à rentrer dans le centre sans rentrer moi-même. Juste via une caméra d'une personne. Donc après ça c'est assez simple, hein. C'est vraiment un truc tout facile pour le début du moins. Après ça se complique un petit peu. Et selon ce que vous faites, vous avez des caméras qui vous repèrent directement. Donc on va tourner. Voilà, donc là j'ai 14 secondes. Bien évidemment c'était assez simple. Et j'ai pu m'introduire, donc c'est une sorte de petite d'antivirus entre guillemets. Donc ce que j'ai réussi à pirater en 2-2. C'était carrément chez quelqu'un. Et là, on va se mettre directement dans le réseau qui nous concerne, c'est-à-dire toute la ville. Connecté. Quoi? T'es dans le CityOS? Déjà? Exactement, j'ai le réseau devant les yeux. Toi, tu as ton accès, et moi maintenant, j'ai le mien. Le système du profiler est en ligne. Il suffit d'un clic pour accéder aux secrets de tout le monde. Il indique même toutes sortes de trucs dans la zone.
Je crois que ça pourra m'être utile. Garde un œil sur le trafic en ligne. Il y a peut-être des fixeurs sur le réseau. Si je peux les voir, ils peuvent me voir aussi. Ok, il faut que je bouge. J'ai fait pas mal de bruit, là. Laisse-moi le temps de tracer ton appel. Je te tiens au courant. Et voilà donc une manière de pirater le système sans avoir même mis les pieds dedans. Donc vous avez vraiment plein de façons différentes. Vous pouvez entrer, tuer les gardes un par un. Vous pouvez éviter les gardes, essayer de vous introduire. Moi je trouvais que cette façon était assez cool, assez rigolote. Sachant que pas mal de gardes ont des caméras furtives sur eux en fait. C'est des caméras cachées. Et en fait vous pouvez vous balader avec le garde jusqu'à ce qu'il vous mène à votre point de destination. Donc la tirer à droite à gauche et tout ça, faire diversion. Donc voilà, je trouvais que c'était plutôt rigolo. Là ça y est, c'est parti. Hop là, allez, crédité de 1860$, allez. Donc là je vous l'ai dit, là c'est à gogo, tac. Compte bancaire, allez, 480. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que ben, en 2-2 en fait, ça y est, vous pouvez pirater tout le monde, c'est un truc de fou. Nouveau véhicule disponible, 600$, là en tout, là je me suis presque 3000$ en faisant rien du tout en fait, en piratant 4 téléphones. Donc c'est un truc de malade, on va arrêter un petit peu le profiler et sortir de la zone. Et voilà, donc petit point de compétence attribué, direct j'aimerais vraiment le mettre dans le véhicule, voilà c'est bon. Donc véhicule, je trouve que c'est très important, les activations automatiques des alarmes, des verrouillages des portes, sans avoir à briser la fenêtre, et vous faire passer pour à chaque fois le mec qui vole les véhicules, même si c'est ce qu'on fait, hein, mais voilà, d'une façon plus subtile on va dire. Donc c'est parti, total d'XP plus 500 points. Hey, j'ai besoin que tu me rendes un petit service. Je t'écoute. J'ai signé un deal très lucratif avec un client très exigeant qui a besoin d'un chauffeur. Non. Attends, je t'explique. Ce matin, j'ai trouvé Maurice en train de creuser un tunnel pour sortir de sa chambre d'amis. Du coup, faut que je change d'endroit. Bon, ce serait un peu à toi de t'en occuper, vu que Maurice, c'est ton problème. Mais c'est pas mon style. Je finis toujours ce que j'ai commencé, donc ce que je demande... Ok, ok, c'est bon. Je m'en occupe. Non, mais je voudrais pas t'embêter non plus. Je t'ai dit que c'était ok. Faut faire quoi, exactement? Une livraison. Escorter un type. C'est simple, non? Mais oublie pas que ma réputation est en jeu. Mon client paie le prix fort pour avoir le meilleur chauffeur de Chicago. C'est son jour de chance. On va voir si c'est son jour de chance. Les petites bornes là, quand je vois marqué X bornes comme ça, j'ai juste envie de cliquer dessus histoire de faire bordel, mais voilà, je me calme parce que sinon ça va partir en sucette les gars. Conduite accompagnée, donc on va aller faire cette fameuse petite mission. Un petit trip numérique, ça vous branche? C'est la question qu'on risque de vous poser dans les rues de Chicago ces temps-ci, tant cette nouvelle pratique clandestine se généralise rapidement. Une seule expérience psychotrope est actuellement disponible, mais d'après les connaisseurs, d'autres devraient bientôt arriver sur le marché. Ok, pourquoi pas. C'est quoi ça? Ah, mission c'est quoi ça? Un fixeur? Je suis en train de faire attaquer. J'ai dû faire trop de bruit dans le loop. Il m'a localisé. Eh ben, à moi de le trouver maintenant. Le contrat de Jordi attendra. Donc ça, voilà, ça c'est une des fameuses missions en ligne. Donc ce que je pourrais faire avec X et n'importe qui que j'ai dans mes contacts. Donc c'est que cette personne essaie de me hacker. Tout simplement, je suis en mission, il essaie de me hacker. Et il faut vite que je le débusque avant qu'il me pirate. Et je ne sais pas vraiment ce que ça fait quand il me pirate entièrement. Donc je vais voir, peut-être qu'il aura toutes mes données. Ou je sais pas ce que c'est, peut-être mon argent. Ou pas mon argent. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc normalement il est vers là. Un fixeur a accepté un contrat de piratage en ligne. Il doit voler les informations de votre possession, en votre possession pardon. Trouver le fixeur responsable de la tentative du piratage. Bon rival. D'accord. D'accord. Donc cette personne se trouve vers ici. Bordel, il en a après moi. Il est en train de pirater ce chacal. Je le retrouverai avant qu'il pirate mon téléphone. Il faut que je le retrouve vite, 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 vite. Donc normalement il est dans cette zone. Il a l'air d'être assez rapide. Je sens pas ce coup-là.
Oh là là, ça met la pression, les gars. Entre temps, je vole des mecs. Te voilà. Maintenant, t'es à moi. Oh le chacal. Et il court, hein. Galope. Ça fait un fixeur de moins. Y'a un mec avec un flingue. Bougez-vous. Chacal. Je peux pas le pirater? Oh putain, les condés. Voilà, nous faisons d'autres fixeurs, etc, etc. D'accord, on a compris le contrat, le concept. Oh putain, je vais me faire griller par les condés. Les fixeurs sont des mercenaires, ils travaillent pour l'argent. On a mis un contrat sur ma tête. Putain de mauvaise nouvelle. Si je me souviens bien, ils utilisent la grille pour communiquer. J'appelle la police. J'ai fait trop de bruit. En fait, vous avez pu vous apercevoir qu'une personne, en fait, a appelé la police parce que voilà, j'ai tué un mec, tout simplement. Bon, ça va. Ça a l'air d'être assez simple là pour le moment. J'ai mis les bornes au cas où. C'est bon. Ok, donc ça donne aussi un peu plus d'XP, donc c'est pas mal du tout. Accéder au smartphone, sélectionner l'app contrat en ligne. D'accord. Contrat en ligne, ok. Sélectionner une victime, tac, décryptage. Donc filature en ligne, décryptage en ligne, exploration en ligne, course en ligne, challenge CityOS mobile et piratage en ligne. Donc voilà ce que vous pouvez faire. J'aimerais bien m'attaquer à un de ces types, mais plus tard. Voilà, donc c'est des petits challenges à faire, on peut le faire en groupe aussi. Je vais essayer de mettre un truc un petit peu en place. Je peux retourner à la mission de Jordi. C'est comme un contrat de chauffeur. Je vais devoir déposer quelqu'un. Un peu comme un taxi, mais en mieux. Le truc, c'est d'éviter les flics. D'accord, donc la mission est d'éviter les flics. Ok, on va voir ce qu'on peut faire. Donc je sais pas si j'ai parlé, je crois vite fait, j'ai vite fait aborder le sujet de la conduite. C'est vrai que c'est plutôt, ça va, c'est ni trop dur ni trop souple. C'est pas non plus un truc de simulation, hein. Vous êtes pas sur Gran Turismo. Donc il va falloir quand même que c'est plutôt arcade, hein, comme style de conduite. Moi ça me gêne pas du tout, au contraire. Je voulais pas vraiment un truc super bien fait et tout, et je pense que c'était pas le but trop cherché non plus. Donc on va pouvoir faire enfin cette putain de mission. Excusez-moi. Mec, en mode énervé, tu sais. Donc c'est bon, y'a plus des guns. Allez, c'est parti. Allô. Mais t'étais où, putain de merde? C'est le bordel ici. Tout est parti en couille. C'est bon, j'arrive. Putain, mène-toi, les flics vont me serrer, grouille. Et lui, il est pas bien là. Il est pas bien du tout. On va reprendre notre véhicule. Hein. Écoute. Les forces de police de Chicago sont parvenues à déjouer une effraction nocturne dans une usine. L'un des suspects a été tué sur place tandis qu'un autre est en fuite. On craint des perturbations à Parker Square où la police a installé des barricades. Ok, j'aime bien ça. Le point info comme ça, genre breaking news. Pas mal du tout. Je kiffe. Ici centrale, on a le feu vert pour un scan CityOS. On cherche le. Il est où ce chacal? Les poursuites de police se déroulent en trois phases distinctes. Contrôle, éviter les cercles de scan CTOS de couleur jaune, ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, recherche et sortez de la zone. Ok, couleur grise et restez caché jusqu'à la fin du chrono. Ok, on va essayer de faire ça. Hein. Pourquoi je me suis repéré? J'ai pas compris. Oh là là. Mais où je vais, bordel de merde? À toutes les unités, le central lance un scan CityOS pour trouver le suspect. Bon, tant mieux. Il est où ce chacal? Il est où ce chacal? Il est pas si près que ça, ouais. Faudrait que je fasse quelque chose en fait. Non, excusez-moi pour ce petit remue-ménage là, je me suis refait la terrasse. De toute façon, avant qu'ils m'en repèrent.
Donc là, toute la zone, toute la zone est surveillée par les flics. On va essayer de faire ça là bien. De préférence de pas se faire griller du premier coup. Ok, je force une barricade. Merde. Oh shit. Oh. Wiggle. J'espère que t'as une invitation ou t'es mort. Je suis le chauffeur. Putain, c'est pas trop tôt. T'as une caisse, celle-là est défoncée. Non. Mes règles, ta voiture. C'est comme ça. Bon, allez, d'accord, on y va. Allez, pour échapper aux recherches, quitter la zone de recherche en restant inaperçu. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal du tout. Donc se garer, ça, c'est vraiment un truc vraiment classe. Je trouve que ça, c'est vraiment très 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 classe. Bien joué à leur, de leur part. Ils ont trouvé vraiment des trucs super intéressants à trouver, à faire. Allez, on va essayer de faire ça à la vraie. Suis bien le parcours et fais gaffe. Les flics patrouillent toujours. Tu vas nous tuer avec ton parcours. Détends-toi et boucle-la. On fait comme on a dit, putain, je sais ce que je fais. Tu veux te faire descendre comme ton pote ? Allez, baisse la tête. Centrale, on va essayer de nous coincer en vérifiant les allées. Bien reçu. Tous les ponts du périmètre sont levés, sauf celui de Wells. Des renforts se dirigent vers la zone. Ok. Et ils rigolent même plus, quoi. Bon, alors, c'est quoi le plan ? Parle-moi. Commence par te calmer. Toute l'île est sous surveillance. On va passer par les petites rues, par les garages, histoire de pas se faire repérer. Tu vois que je coupe le moteur et les phares, tu la fermes. On est l'air d'une bagnole normale. C'est compris ? Ouais, ouais. Ok. Putain, mes mains arrêtent pas de trembler. T'as déjà vu quelqu'un se faire tirer dans le bide ? Trop souvent. Nice work. Nice, nice, nice. Merde, excusez-moi, je croyais que c'était A pour... Non, pas du tout. Donc ça a été plus rapide que prévu. Je pensais pas me faufiler comme ça. Mais bon, ça a marché du premier coup. Tant mieux. Donc des petites phases comme ça, c'est plutôt rigolo. À voir maintenant s'ils en font tout le long du jeu, je pense pas. Hein, mais c'est peut-être plutôt intéressant, histoire de se faufiler à droite à gauche. Donc bien sûr, vous faites griller une fois, c'est mort, vous recommencez la mission. Toi tu passes pas ? Si si, j'ai passé mais trop tard. Et les flics sont arrivés super vite. Je vous jure, c'est pas ma faute. Chut. Allons, allons, du calme, c'est fini, fiston. Au moins un prélu, non ? C'est ça l'important. Effectivement, c'est ça l'important. Ainsi va le monde. Il n'y a pas de place pour l'échec. Oh, ça j'ai compris, monsieur Quinn. Mais c'est pas moi qui ai merdé. Non, c'est pas moi. Du calme, du calme. Tout va bien. Ça va mieux maintenant. Vous avez pu parler à votre mère ?
vous ennuyez? Votre fiancé? Non, monsieur. J'étais pressé. C'est bien. Très bien. À votre employeur que je la rappellerai. Si un jour j'ai besoin d'une autre livraison. Lucky Queen, une belle ordure. Le chef du Chicago South Club. Ces connards faisaient déjà leur magouille à Chicago avant ma naissance. J'aurais dû rendre service à la ville en lui mettant une balle dans le crâne. Mais c'est justement le genre de truc que j'essaye d'éviter. Il y a toujours des représailles. Et j'ai eu ma dose. Alors, comment ça s'est passé? Pas de soucis? Tu pensais vraiment que je bosserais pour ces enfoirés du club? C'est l'argent. Faut savoir séparer boulot et principe. Détends-toi. Écoute, je peux te mettre en relation avec mon contact. Il te trouvera de meilleurs contrats de chauffeur. Ouais. Pas sûr que je les accepte. Mais donne-lui mon numéro. Le cash, c'est toujours bon à prendre. Ah, et puisque tu me demandes, Maurice adore son nouveau chez lui. D'accord, c'est pas mal ça. Donc, comme ça, on sait directement ce qui est débloquable. Ce qui est débloquable. Excusez-moi. C'est vraiment intéressant. C'est vrai qu'on n'a pas souvent le choix. Quoi si maintenant, de plus en plus sur les jeux. Avant, on ne faisait faire des missions et c'était surprise. Tu débloques un truc, mais tu sais pas ce que tu débloques. Là, c'est vrai que même Ubisoft le fait très 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 souvent sur ses jeux. Je prends l'exemple de Far Cry 3. C'est pour ça, c'est vrai qu'on reprend pas mal d'exemples, que ça soit sur des anciens jeux qu'ils faisaient pour l'arbre de talent ou que ça soit vraiment pour GTA, pour le monde ouvert et tout. Il y a pas mal de similitudes, même si le jeu reste quand même différent. Et c'est ce que j'aime beaucoup sur le jeu, je vous ai dit, franchement, on découvre. Et plus on avance dans l'histoire, et plus ça commence à devenir intéressant. Là, ce mec était vraiment violent, là, ce papy Brossard, là. Franchement, il était... limite, faisait flipper le mec. On aurait dit Le Pen avec son œil crevé, là. Bon, en moins gros, quand même. Donc, piratage. Il y a une chose que je n'ai pas fait. D'accord. On va tourner un petit peu. Et j'ai combien? J'ai un point. On va pas aller loin. Ah, pas mal du tout. Oui. C'est ça que je voulais. Donc appuyer sur R pour activer, désactiver le focus. C'est ralentir. Ça, c'est pas mal du tout. On va le mettre. Une sorte de bullet time. Ouais, si on peut appeler ça comme ça. Donc petit point de compétence amélioré. Et le téléphone n'arrête pas de sonner, putain. J'ai quelque chose pour toi. Faut qu'on se voit. Se voir? Genre face à face? Je cherche un mec avec un masque ou... Non. Contente-toi de suivre le signal. Je croyais que tu rencontrais personne. C'est vrai. Mais là, faut qu'on se voit. Oh. Bad Boy veut qu'on se voit. Chelou. D'accord. Donc le mec veut rester anonyme et d'un coup du jour au lendemain, on se voit. Ok. Moi je vais essayer de me balader un petit peu dans la ville, histoire de trouver un petit peu des trucs de gang. Point d'intérêt. D'accord. Par contre, une chose que je n'ai pas compris, le mec ils ont voulu le tuer. Ce qu'ils ont fait bien évidemment, mais... D'accord, pourquoi pas. Je vais faire ça vite fait, je l'avais jamais fait, je vais le faire.
Le petit bruit du démarrage. Les mecs, je suis en train de dire, les mecs, même pas ils mettent de silencieux, rien du tout. Contrat de fixeur, donc ça c'est ce qu'on avait fait juste avant, je vais pas le faire non plus. On va pas en faire 10 000. Je veux quand même qu'on avance un petit peu dans l'histoire, histoire qu'on débloque 2-3 applis. 2-3 trucs sur le smartphone. Ah, il y a pas mal de soucis là. On va se garer tranquillou milou. Du moins se garer avec moi, c'est un truc de... Voilà. On y va. Qui fout la pagaille, qui ne fout pas la pagaille, qu'est-ce qui se passe dans le coin? Ah, pourquoi lui? Pas mal. La victime est là. Mais où est le ravisseur? Tu vois le même, je sais pas. Moi, tu vois, je suis pas content. T'as merdé, mon pote. Non, ça va pas recommencer. J'en ai marre de parler de ça. Putain, apprendras. Stop. T'es pas au spectacle, mon pote. Laisse-moi partir, mec. Ouah, ça pue, ça pue. J'aime bien ces genres de missions comme ça. Foiré. Dans le fameux bullet time. Et si on rangeait l'arme, non? Ouais, ça serait pas mal. Le criminel est mort. Alors désolé, hein, j'ai encore des petits soucis par rapport à la manette. Je connais pas encore bien les touches, donc des fois je peux faire des manipulations qui m'échappent. Du genre, au lieu de courir, je sors l'arme. Ce que je viens de faire il y a 4 secondes. Et ok, et maintenant, on va vite faire la mission. Où es-tu? Donc on va essayer de rejoindre notre ami Bad Boy, Bad Boy. Je suis sûr que X l'a fait aussi ce truc. C'est parti. Petite remarque aussi, vraiment très judicieux qu'ils ont apporté. Il y a vraiment beaucoup de petites choses. Petit clin d'œil, j'y reviens maintenant. C'est vrai que d'un coup j'ai zappé par l'histoire et tout, que je suis parti à droite à gauche et tout. Si vous avez vu la première vidéo, vous avez vu le petit clin d'œil au lapin crétin. Je trouve ça juste mucho bueno. Franchement, grosse dédicace. Ça fait vraiment plaisir de voir des petits trucs comme ça, des petites dédicaces sur des jeux comme les lapins crétins, Ubisoft, etc., etc. dans la chambre du jeune Jackson, et je trouvais ça vraiment rigolo. Petit truc aussi, vous pouvez voir que si je m'approche comme ça d'un véhicule, il a pas fait ça, non, il a mis les warnings. Il peut vous faire des appels de phare, comme quoi peut-être vous êtes endormi sur la route, ou je ne sais quoi. Et il fait des appels de phare, genre, oh mec, réveille-toi, t'es sur ma voie. Il faut que tu t'entraînes, il faut que tu te remettes sur ta voie. Donc voilà, plein de petits trucs. L'IA bouge très bien, je trouve, dans la ville. Même si des fois il y a des petits bugs, ça arrive, c'est normal, des petites collisions. Comme je l'ai dit, je pense, dans le premier épisode, l'IA, par contre, les combats sont super nerveux. Vous allez voir par la suite, hein, vous inquiétez pas. Contrat de fixeur, encore une fois. Il y a beaucoup de contrats de fixeur. J'aimerais bien faire un contrat de gang, moi, si c'est pas trop demandé. Je sais pas s'il y en a un dans le coin, je vais voir. Le contrat de gang que j'aime beaucoup, en fait, faut débusquer des personnes. Qu'est-ce que c'est? Je vois qu'il y a un camion qui roule, je sais pas ce que c'est. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, c'est pas ça. Autant pour moi. Je comprends pas là. Qu'est-ce qu'il faut que je débusque? Je comprends pas là. Il y a un truc bleu qui tourne. Mais je sais pas ce que c'est. Est-ce que vous le voyez sur le point? Il fait que tourner sans arrêt. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ce truc? Mort de rire. What the fuck? C'est quoi ça, revenir? Regardez l'idiaxiel, pourquoi pas, comment jouer? Vortex, évolution drone, évolution chasseur. Donc les fameux mini-jeux. On va commencer par le didactiel. J'étais pas parti pour faire ça, mais voilà. Donc on est sur Watch Dogs, c'est parti. Éliminer tous les aliens à la fin du chrono, celui le plus rapide, obtenir le meilleur score, ok, les extraterrestres. C'est ça le tutoriel ou pas? T'es sérieux, mon vrai? Range ton arme, bordel. Mais range ton arme, putain. Allez, commencer.
Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mort de rire. Je l'avais pas vu celui-là, je crois, dans les gameplays. Level 1. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En plus, moi qui suis une brêle vraiment pour viser, avec la manette, ça va être dur. Hein. Ok. Ouf. Oh. Ok, on continue. Allez, on va délirer. Il n'y a pas d'autre arme. D'accord, on peut se mettre aussi. Ah, si, il y avait une arme. Ah, merde. Genre normal, en fait, il y a la circulation. Mais en plein milieu, je suis en train de tirer sur des aliens. Tranquillou, milou. Ça me plaît, ça. Oh, énorme. Pour les armes, ça se passe comment? Ah, énormément de recul sur les armes. Que ça soit sur le jeu ou... D'accord, ok, c'est un quota de... D'accord. De la vie. Oh, la musique elle fait flipper, wesh. En fait je voulais prendre l'arme, merci. Level 3. Moi je pense pas qu'on va aller jusqu'au level 20 ou 40 ou je sais pas combien il y en a, je crois qu'il y en avait 11 tout à l'heure, j'ai vu. Genre ils ouvrent le vortex d'un coup, oh là là. Ça y est, rigole plus, maintenant ils sortent les gros direct. Ah, carrément un autolock quoi. Je pense qu'on va aller. Ah, chargement. Oulalalalalalalala. Ok, 12. Je les vois pas. D'accord, donc c'est mal joué là. Ok. Son chill. Comment je charge l'arme? C'est cool que tu me... Et le mec il me regarde, mais qu'est-ce qu'il fout ce mec dans la rue comme ça, il tire. Mort de rire. Donne-moi des bonus, donne-moi quelque chose, putain. Où tu comptes aller, toi? Ok, bon, on a assez massacré d'aliens comme ça. Mort de rire, quand même. Pas mal du tout, donc petite récompense de progression en passant. Donc expert en armes automatiques, amélioration et précision à rafale de toutes les armes automatiques. Ouais, c'est cool, franchement, voilà, pas mal de petits trucs. Pff, ce jeu regorge de trucs à faire, c'est juste abusé, quoi. Dans le combat, est-ce qu'on a mis quelque chose dans le combat? Mais je comprends pas, j'ai pas de points de compétence, alors qu'ils me disent que j'ai des points de compétence. Points de notoriété. Tu te moques de moi ou quoi, là?
C'est quoi tu dis? Change ta vie. Donc on va y aller directement à pied. Hein. Écoutez, vu qu'on n'est pas très 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 loin. Beaucoup d'escalade aussi. Tel Yamakasi ou tel Nizio Auditore. Pour les connaisseurs. Franchement, vraiment cool. Donc je vous l'ai dit, hein, plus on avance, plus ça commence à devenir... Oulalalala, il a une figure. Par contre, franchement, j'ai du mal avec sa tête. Je vais pas vous mentir. Lol, je suis fouté comme si j'étais un truc de cul, quoi. Oulala, qu'est-ce qui se passe? Émeute? Bagarre? On s'amuse? Et pour les personnes, moi personnellement, j'ai remarqué que c'était la doublure de Brad Pitt qui faisait la voix d'Aiden Pierce. Si vous connaissez l'acteur qui fait la vraie doublure en anglais, dites-moi-le. Dites-le-moi, pardon. Donc là, je retire, je me mets bien... Ça craint, mec. J'ai souvent engagé Bad Boy et il a toujours protégé son identité. C'est comme ça chez DedSec. Et maintenant, il veut qu'on se voit. C'est pas normal. Je dois le déstabiliser, le faire parler. Et savoir ce qu'il prépare. Reste calme. Bad Boy. Hein? Bad Boy 17. Putain, c'est quoi ton problème? Bad Boy 17. Clara. Clara. Tu fais plus que 17 ans. Et je fais Bad Boy aussi. T'as surtout l'air imprévisible. J'espère que ça te fait pas trop peur. Pourquoi? J'ai des raisons d'avoir peur. Là, tu deviens parano. Vraiment? Quelqu'un s'amuse avec ma vie. Menace ma famille. Et au même moment, ce mystérieux Bad Boy veut me rencontrer. Et le boy est une fille. Y a de quoi être parano. Écoute. J'ai besoin de te faire confiance, Clara. À ta place, je me fais pas confiance non plus. Mais voilà une bonne raison de m'écouter. Le texto que tu m'as envoyé. Je sais où retrouver ce type. Ok, mais c'était pas la peine de se rencontrer pour ça. Non. Il fallait se rencontrer pour ça. Tu voulais les codes de piratage de DedSec? T'as fait ça pour moi. Tu devrais être plus sympa avec moi. Parce que je peux changer ta vie entière. Pas la première à me faire ce genre de promesse. Ils font tout leur sale boulot avec ce truc. Et ils savent pas que j'y ai accès. Tu l'as volé. C'est très puissant, tu sais. Alors fais attention. Si tu fais le con, des gens peuvent être blessés. Ou pire. Ouais. Je crois que tu me fais pas confiance. Donne-moi une raison de te faire confiance. Ok. Le gars du texto, comment on le retrouve? On bosse ensemble. Toi, tu te mets sur ce que j'ai envoyé. Et moi, je repère son signal. T'es pas vraiment comme j'imaginais. Toi, par contre, t'es sans surprise. Aiden. Bad Boy est une femme. Est une bad girl. Ok. Ok. Donc écoutez, moi je pense qu'on va s'arrêter ici. On va juste laisser un petit peu l'interaction et on y va. Bad Boy là, ou à Clara? Ouais, on va simplifier. Voilà. Bon, ça va pas être simple de remonter jusqu'à ton type. Il est malin. Il a réacheminé son adresse via une tour de bureau du CityOS. Service client, employé, cadre, ce genre de choses. Une tour de bureau. Faut qu'on arrive à accéder au système.
Tu me fais entrer, et je te le retrouve. Je vais passer par la zone la plus vulnérable du bâtiment, là où ils reçoivent les livraisons. On dirait que c'est sous terre, dans le tunnel. Je vais essayer par là. Au fait, désolé pour ma réaction de tout à l'heure. Oh, t'essayais juste de m'intimider? Ta façon d'empiéter sur mon espace personnel, les regards, le contact physique... T'es un vrai cas d'école, toi. Tu cherchais des failles. T'en as trouvé? Ça, c'est mon secret. J'aime bien sa façon, en fait. J'aime bien sa carrure. Comment il marche et tout. Franchement, je trouve que la dégaine est super classe. Par contre, la figure, voilà quoi. Non, sérieux, franchement, pour parler vite fait un petit peu des persos, je trouve que les persos comme... je me rappelle plus le chinois, excusez-moi. Je me rappelle plus le prénom. Le chinois ou même Clara, je trouve qu'ils sont super bien faits au niveau des détails et tout. Et j'ai l'impression que notre perso, ben, c'est pas tant que ça en fait. Peut-être que c'est moi juste, voilà, ça regarde que moi. Mais voilà, j'ai l'impression que voilà, au niveau du détail du visage et tout ça, j'ai pas l'impression qu'il soit au top. Du moins pour mon goût, à moi, à mon goût personnel. Après peut-être que certains seront ravis et tout ça, mais voilà, la petite dégaine. Sinon tout va bien, mais c'est juste la tête que je trouve un petit peu chelou. Il fait genre mec lambda, et peut-être c'est le but recherché aussi, hein, ce que voulait Ubisoft. Du coup voilà, donc j'arrête de dire de la merde. Je vais couper ce deuxième épisode de Watch Dogs. Je suis toujours en train de... Je suis à deux doigts de dire Wolfenstein, hein, pour voilà, donc pour toutes les personnes qui débarqueraient sur la chaîne, je viens juste à peine de finir le let's play de Wolfenstein. C'est pour ça que je suis à deux doigts à chaque fois de le dire. On termine cet épisode de Watch Dogs. On se retrouve très prochainement pour la suite. Et ne vous inquiétez pas, j'oublie pas le DLC d'Outlast. Tout se fera en face commentary. Comme ça vous verrez ma tête en train de m'affoler, devenir tout pâle. Hein, vous inquiétez pas, espèce de chacal, on fera tout ça tranquillement. Donc, wiggle, wiggle, wiggle. Je vous dis à très très bientôt, c'était Parano. Allez, peace.